Alors, je pense que tout le monde ne connaît pas le vent se lève au départ et certains d'entre vous sont ici sans forcément nous avoir rencontrés auparavant. Mais on a un média d'opinion qui est né il y a 3 ans et on fait de plus en plus d'événements de ce type. On organise des universités d'été par exemple où on a toute une série de débats d'ordre stratégique. Et on est un média ouvert avec des contributeurs volontaires, toute l'équipe est bénévole à l'heure d'aujourd'hui. Et on s'est développé petit à petit jusqu'à avoir la possibilité d'organiser ce type d'événement avec autant de monde. 1000 articles, des dizaines de vidéos vues des millions de fois, de grands moments de rencontres intellectuelles partout en France, ce qu'en moins de 3 ans, les bénévoles du Vent se lève ont accompli. Derrière ce succès se cache l'histoire et le travail acharné d'une équipe qui se démène jour après jour. Grâce à l'investissement de cette nouvelle génération du journalisme, Le Vent se lève a pu passer d'un petit média aux grandes ambitions à un acteur de plus en plus important dans le champ intellectuel et médiatique français. C'est vrai que quand on a lancé Le Vent se lève il y a 3 ans, on ne pensait pas que ça prendrait une telle ampleur. Juste, on se posait pas la question de savoir si ça allait fonctionner ou non, mais on ne pensait pas en tous les cas que 3 ans plus tard, on y serait encore et on serait encore en train de faire ça et que ça aurait pris une telle ampleur. Si on a lancé ça, c'est parce que on ne trouvait pas d'équivalent du Vent se lève sur les réseaux sociaux, sur Internet. Et on faisait le constat de l'omniprésence de médias de droite ou d'extrême droite. Et on a voulu tout simplement contrecarrer ça et essayer de construire un média un peu sur le même modèle, un média d'opinion qui prend position, qui assume ses idées et qui soit capable tout simplement de porter une parole alternative. Je crois qu'on a inventé un nouveau modèle. C'est-à-dire que celui-ci est fondé sur des contributions bénévoles, donc des contenus essentiellement gratuits et du travail de qualité. Et en fait, ça nous a permis de rencontrer un petit succès initial, et y compris d'être lu par des journalistes de métier, voire parfois ils contribuent dans notre média, tout simplement parce qu'ils retrouvent une liberté de ton qui n'existe pas forcément ailleurs. Et par ce travail-là, par le fait de se former petit à petit sur le tas, eh bien, on a pu accumuler toute une série de compétences qui font qu'aujourd'hui, personne ne peut nier la qualité du travail qui est fait au Vent se lève. Moi, je fais pas mal de vidéos en réaction à l'actualité française et souvent à des discours qui vont être tenus par nos dirigeants, souvent le Premier ministre, le Président ou des ministres de façon générale, pour essayer d'apporter un autre regard par rapport à leur discours, parce que je trouve que c'est peut-être pas assez fait dans la plupart des médias. Bah, sachant que Le Vent se lève, c'est bénévole, et que généralement, je fais ça quand je rentre chez moi après le travail et qu'il est tard et que je suis fatiguée. Pour que je trouve l'énergie de faire une vidéo, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui m'ait indignée, qui m'ait énervée. Et ça a été particulièrement le cas avec des sujets comme les Gilets jaunes ou alors certains discours, notamment le dernier d'Emmanuel Macron sur l'écologie, où je regarde ça et je me dis « mais attends, mais il ment, c'est faux, il y a des faits qui sont totalement erronés et il nous dit ça comme si de rien n'était et ça m'agace, ça m'indigne tellement que j'ai profondément envie d'écrire et d'informer les gens sur le fait que faut pas croire ça en fait. » Ces 2 derniers discours, l'un depuis le G7 à Biarritz et l'autre sur le site Combini, étaient très portés sur l'écologie. Alors que le monde regarde horrifié l'Amazonie brûlée, notre président semble soudainement devenu un grand défenseur de la planète, prêt à engager les politiques nécessaires. À partir de mon travail que je vais faire pour d'autres médias, où je vais me rendre compte que ça peut être pas assez couvert, ou enfin à mon sens, ou mal couvert, en l'occurrence, les gilets jaunes, c'était quand même l'exemple typique. Je me suis pas réveillée un jour en me disant « je suis gilet jaune », c'est juste que j'étais moi sur le terrain en tant que journaliste pour couvrir pour la télévision, et j'ai vu beaucoup de violences policières. Donc moi, les endroits par exemple où j'étais, j'ai vu énormément de violences policières, il y avait du sang partout, j'ai eu moi-même très très peur de la police, et je suis rentrée chez moi et j'ai vu, alors c'était pas pour la chaîne pour laquelle je couvrais, mais j'ai vu sur BFM, sur CNews, sur LCI, oui, les violences des casseurs. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils racontent? On n'était pas au même endroit, c'est pas possible, on n'a pas vu la même chose. Donc ça m'a énervée et je me suis dit, mais il faut que les gens sachent ce qui se passe. Et aujourd'hui, le seul moyen d'expression totalement libre que j'avais, en tout cas à ce moment-là, c'était Internet. Donc je me suis mise à faire des vidéos. En fait, dans la rédaction, il y a des gens très très différents. Et donc toute la difficulté, c'est d'arriver à produire l'alchimie qui permettent à toutes ces personnes complémentaires de travailler dans le même sens. Tenez, prenez Louis par exemple, qui fait vraiment des choses fondamentales dans le projet. Il passe un temps fou
sur des questions d'ordre technique que personne ne maîtrise. Et sans ce type de profil, on ne pourrait pas valoriser le travail de tous les autres rédacteurs qui sont parfois très spécialisés et donc pour lesquels le défi est de rendre leur contenu accessible et de le populariser. Donc parfois, il faut un petit peu cadrer et arriver à faire matcher tout ça. On a un gros collectif, si on compte large, c'est à peu près 400-500 personnes. Et en fait, dès le début, il s'est agi d'aller chercher les différentes équipes, un peu comme dans les films où le héros part à la recherche des différents protagonistes. Du coup, on a commencé à recruter des équipes techniques. On a maintenant des équipes de traducteurs, tout ce qui est pôle de graphistes, vidéastes, j'en oublie même les retranscriptions, comité de relecture. Enfin, c'est beaucoup d'équipes techniques et tout le monde n'écrit pas pour Le Vent se lève. Tous les gens qui sont dans le projet, parmi eux, il y a ceux qui écrivent un article une fois, ou alors une fois de temps en temps, mais il y a aussi des gens pour qui c'est une seconde vie. Et il y a surtout tous les gens qui sont aussi là en support, organisent des conférences, font du travail davantage technique, et nous aident de manière assez considérable. Et à vrai dire, vu que tout le monde est dispatché un peu partout en France, on a appris très vite à travailler par Internet, par les réseaux sociaux, et c'est comme ça qu'on continue à fonctionner. C'est notre rôle de mettre de l'huile dans les rouages, de tout coordonner, et y compris de se taper le travail administratif que personne ne voit, qui est un travail de l'ombre, qui est ingrat, mais qui est fondamental parce qu'en fait, dans n'importe quelle association qui a atteint une certaine taille, on ne peut pas passer à côté si on veut continuer à faire tourner la machine. Et en fait, on est nombreux à faire ça. Derrière chaque événement, chaque conférence, chaque colloque, il y a énormément de bénévoles qui s'impliquent et qui ne recherchent pas forcément la lumière. Je pense à Simon, je pense à Laetitia, à Iris. C'est des personnes exceptionnelles de ce point de vue. Et donc, on est très fiers de cette culture qu'on a au Vent se lève. Et je pense que c'est un des éléments les plus précieux. C'est là que la magie s'opère devant ce mur, qui est le mur de mon petit studio parisien, donc où je tourne mes vidéos après avoir écrit le script. Je vais donc raconter tout ça devant la caméra. Il faut savoir que je n'ai pas de prompteur et que ça me fait perdre beaucoup de temps parce que du coup, à chaque fois, je dois m'y reprendre et je dois redire mes phrases et je dois apprendre tout mon texte par cœur. Et des fois, il est 2-3 heures du matin parce que j'écris mes vidéos toute la soirée et après, je les tourne. Et des fois, c'est vraiment compliqué. En fait, quand il y a un sujet qui tombe et que je me mets à le faire, il faut que j'écrive la vidéo assez rapidement, il faut que je fasse les recherches. Et ensuite, il faut que je la tourne vraiment rapidement avant d'aller au travail le lendemain, parce qu'il faut laisser le temps au monteur de tout finaliser. Et puis après, il faut la programmer. Et souvent, il y a plein de gens qui veulent publier des choses en même temps. Donc, il faut faire un petit peu de petit coup de pression. Et voilà, c'est toujours un petit peu compliqué. En fait, c'est un énorme processus. Et pour une vidéo de 5 minutes, il y a souvent 2-3 jours de travail plein. Et les gens ne se rendent pas forcément compte de la quantité de travail que c'est et de tous les gens que ça mobilise. On a mis en place une quinzaine de cercles locaux partout en France. Il y en a à Paris, Lyon, Rennes, Strasbourg, Montpellier, Toulouse, Clermont-Ferrand. Enfin, je ne vais pas faire toute la liste. Et l'idée des cercles, c'était de créer des espaces de rencontre, tout simplement, parce qu'on a des rédacteurs qui sont absolument partout en France, et du coup, c'est de leur permettre de se rencontrer, d'organiser des événements ensemble, ça peut être des conférences, ça peut être des cafés-débats, des verres informels, des choses comme ça, de façon à simplement créer un collectif et créer un esprit LVSL. Ce qui fait que, par exemple, avec Lenny, Vincent Ortiz aussi, et puis Louis, on essaie de tourner un petit peu, d'aller rendre visite aux gens. Par exemple, en début d'année, avec Louis, on est allé à Toulouse, Montpellier, pour rencontrer les gens. Et ça peut être des gens qu'on rencontre pour la première fois, alors qu'ils sont très investis dans le projet. En fait, une fois qu'on a mis la vidéo sur Internet, évidemment, je regarde comment elle évolue et quel est l'accueil qui lui est réservé. J'essaie de lire tous les commentaires. Parfois, ils sont vraiment constructifs et ça, c'est cool. Enfin, ça me permet de parfois avoir des erreurs que j'ai pu faire ou des tics que j'ai pu avoir. Des fois, des gens font des remarques sur le contenu, sur la manière dont je l'ai présenté. Enfin, moi, ça m'aide à avancer, ça m'aide à progresser, à voir ce qui plaît.
mais il y a aussi des commentaires qui sont pas qui sont pas vraiment constructifs, qui sont même plutôt agressifs, voire totalement sexistes. Ça, je voilà, j'essaie de pas trop m'attarder dessus. Au cœur de notre projet, il y avait au fond la volonté de mener une bataille culturelle que les progressistes sont en train de perdre. Et quand je parle de progressistes, je parle clairement pas de Macron. Je veux dire par là que dans la gauche traditionnelle, on a perdu le sens de l'esthétique, du débordement des cadres intellectuels. Et nous, ce qu'on voulait faire, c'était précisément ça. C'est-à-dire construire un outil qui renouvelle les formes et qui soit adapté à l'ère du temps. Et donc, tout ça implique de s'approprier les codes d'Internet. Les gens se demandent parfois qui est derrière le vent se lève. Oh, tiens, c'est bizarre, c'est propre, tout ça, c'est assez innovant. Et en fait, ils ne se rendent pas compte que bah, c'est juste nous. Enfin, il n'y a pas à chercher plus loin. En fait, dans le vent se lève, il y a des gens très différents, qui sont pas forcément uniformes idéologiquement, c'est pas du tout ça le cœur du projet. C'est au contraire notre volonté de d'élargir et de déborder les cadres. On est les enfants de 30 années de défaite et 30 années où la gauche s'est repliée sur elle-même avec un langage incompréhensible pour tout le monde, et nous on voulait rompre avec ça. On voulait reconstruire justement un langage qui est accessible à tous et qui parle aux gens ordinaires et pas juste à des petits cercles politisés, mais qui ne comprennent plus les autres au bout d'un moment, en fait, à force d'être dans un entre-soi militant. Et donc, de ce point de vue, même si on n'est pas homogène idéologiquement, on a notre colonne vertébrale, qui est le progrès social et l'écologie. Et à côté de ça, on assume le fait de faire du journalisme d'opinion. Pour autant, ça ne nous empêche pas d'avoir une vraie colonne vertébrale éthique et journalistique qui fait notre crédibilité. Et ça, c'est une force. Donc, voilà ce qu'on fait, au fond. Comme dans d'autres quartiers de l'Union, par exemple, si on va parler de l'éducation, on en ressort avec l'accord. Donc, ça. Proposer des décryptages, comme on dit. Donc, il y a différents produits. Faire de la comparaison avec ce qui se passe dans d'autres pays de l'Union européenne. Donc, la particularité de la fac d'écologie, c'est que vous y avez votre place. Les sujets qui sont abordés ici sont les plus importants, à coup sûr, que l'humanité ait à aborder globalement. Et c'est des sujets sur lesquels c'est important de débattre. C'est important qu'il y ait de la confrontation d'idées, et c'est des sujets qui doivent se traiter de façon populaire. Pour cela, le vent se lève a toute sa place à jouer dans le débat public. Moi, je suis pour qu'il y ait le maximum de médias libres, et j'aime bien quand il y a des nouveaux médias qui émergent et qui relaient des paroles ou mettent en lumière des réflexions, des luttes qu'on entend moins dans les médias traditionnels. Voilà, il y a un enjeu aujourd'hui considérable, en fait, autour de la liberté d'expression. Bah, je crois que c'est déterminant parce que le champ médiatique mainstream, on va dire, tait un certain nombre de questions, nous empêche de parler librement, de manière confortable. Hein. C'est-à-dire que sur les plateaux de télévision, vous avez quand même très peu de temps pour vous exprimer. Bon, c'est aussi le format hein, des chaînes mainstream qui veut ça. Alors que dans Le Vent se lève, dans le cas des interviews, c'est des interviews longues. Donc on a la possibilité de développer une pensée la plus complète possible. Et puis c'est également le cas dans les conférences auxquelles j'ai eu l'occasion de participer à l'initiative de Le Vent se lève, qui ont permis de poser les questions centrales aujourd'hui qui se jouent dans la situation politique actuelle du pays et d'avoir le temps d'y répondre et de confronter les points de vue convergents ou divergents qui peuvent s'exprimer parmi les différents participants. Il y a pas forcément en fait une compréhension totale de ce que c'est le pouvoir à ce moment-là. Évidemment, le slogan fin du mois est très beau. Je crois qu'on a atteint un point critique dans notre développement. C'est-à-dire depuis le début, le vent se lève, c'est un côté très artisanal. Enfin, les gens me demandent souvent combien on a de salariés, où se trouvent nos locaux, etc. On n'a ni salariés ni locaux, comme ça c'est beaucoup plus simple. Et ça repose uniquement sur le bénévolat. Bon, c'est un modèle qui est assez séduisant, enfin, on fait ça sur notre temps libre, mais ça aussi ses limites. Là, on arrive à un point de notre développement où on peut penser à l'étape d'après. Comment monter en gamme? Et on se dit qu'avec des dons réguliers, avec les conditions nécessaires à la pérennisation financière de l'association et du projet, on est capable de réellement exploser. On est capable de fournir un contenu encore meilleur, un contenu beaucoup plus régulier, de stabiliser notre situation et de considérer sereinement la suite, tout simplement. Documente par là.
suis arrivée il y a un an dans le média, un peu par hasard en fait, en venant à une conférence. Et c'est vrai que je n'imaginais pas du tout qu'un an plus tard, on se retrouverait là à célébrer les 3 ans et à voir qu'en fait, de simple auditrice, on peut passer à prendre des responsabilités dans le comité, à organiser des conférences, à essayer de réfléchir ensemble à comment on peut développer le projet. Et c'est vrai que c'est assez enthousiasmant de voir comment, en quelques mois, on peut faire beaucoup de choses. Et qu'est-ce que ça t'inspire pour l'avenir du média, l'année à venir ? Pour l'année prochaine, en tout cas, on sait qu'il y a pas mal de projets qui sont lancés, qui sont en cours. Il y a beaucoup, l'équipe s'est aussi agrandie avec différents types de profils. Et c'est vrai que là, on a envie que ça prenne, que le média suive et que en fait, tous les projets puissent être menés à bien et qu'on grandisse et que de plus en plus de monde nous rejoigne. Alors aujourd'hui je suis venue pour la manifestation du 5 décembre pour couvrir le mouvement social et le mouvement de grève qui commence aujourd'hui. Donc on va faire des lives avec Le Vent se lève et on va interviewer des gens, on va suivre les événements de la journée et le tout en live, voilà, avec des interviews et on va essayer de faire au mieux. C'est important parce qu'aujourd'hui on est dans une production de contenu journalistique immédiat, donc on a besoin aussi de faire des lives pour être dans l'immédiateté. Moi j'aime bien aussi le principe d'immersion où les gens sont avec nous, sont avec moi, et lorsque je fais un live, on peut interagir avec les personnes, ils posent des questions en même temps, donc je trouve ça bien de faire une immersion en fait pour les personnes qui ne peuvent pas être présentes et qui veulent savoir un petit peu quelle est l'ambiance sur un lieu de contestation. Je suivais Le Vent se lève, j'aimais beaucoup ce qu'ils faisaient et j'ai contacté l'équipe quand j'ai vu qu'ils recherchaient des personnes pour faire du contenu de vidéo. Moi je faisais plus à la caméra et avec montage et vidéo qui en sortait après, et ça m'intéressait de faire du live aussi pour Le Vent se lève, donc j'ai contacté l'équipe et ils m'ont proposé de faire d'abord du contenu sur les luttes écologistes et puis après sur les mouvements sociaux, et voilà, c'est comme ça que je suis arrivée. Ça demande, il y a quelques petites contraintes quand même. Je sais qu'il faut être vigilant sur le live quand même parce qu'on filme des personnes qui n'ont pas forcément envie qu'on voit leur visage. Donc il faut toujours être vigilant à la manière dont on filme, au consentement des personnes quand on les filme. Ces choses-là, il faut toujours s'assurer d'avoir les batteries, d'avoir les micros, d'avoir les stabilisateurs, d'avoir un certain matériel. Et c'est relativement assez accessible quand même par rapport à un travail de montage vidéo qui demande encore plus de moyens niveau caméra et tout ça. Quand on voit tout le chemin parcouru et tous les projets qui fourmillent dans tous les coins, tous les trucs sur lesquels on travaille en ce moment, c'est vrai que c'est assez enthousiasmant. Bon, financièrement, on est encore dans la galère. On compte uniquement sur les dons qu'on reçoit et à vrai dire, à l'heure actuelle, ça permet juste de subvenir à nos frais de fonctionnement. Mais en tout cas, on est sur la voie de la professionnalisation, et si on fait ce financement participatif, c'est aussi pour réussir à passer à l'étape d'après. Les gens, quand ils voient le travail qu'on fait, ils s'imaginent souvent qu'on a une grosse structure derrière ou quoi, mais c'est pas du tout le cas. Et si on nous donnait les moyens de réaliser nos ambitions, on serait capable de vraiment passer à la suite, quoi, passer à l'étape d'après et faire exploser le projet. On a les forces pour ça, on a l'équipe pour ça, on a la structure pour ça. Il nous faut juste les moyens. Pour tous ceux qui s'investissent dans le projet Le Vent se lève, la plus belle reconnaissance est celle des lecteurs. Ce sont les petits commentaires positifs et le partage de leur travail qui leur donnent envie d'avancer. Le sentiment d'être utile, de remplir un vide face à des médias uniformes est leur principal moteur. Aujourd'hui, le journal est en pleine mutation pour évoluer vers un modèle capable de faire jeu égal avec les plus gros médias. Un pari osé, mais que chacun compte relever dans les années à venir.